Le Kikadi Top Jingle. RMC, le Kikadi du Super Moscato Show. Mathieu Stéphane pour 4 entrées et plus une nuit d'hôtel au Futuroscope. Bonjour. Comment est-ce bon ? Bonjour. Mathieu Moscato ou Dimeco ? Moscato. Allez, ouais, Mathieu, Moscato et Dorian. C'est le cas de le dire, les mouchons que change d'âne. Contre Stéphane, Marie, Eric, c'est vous parti. Vous enlevez le téléphone de Vincent, s'il vous plaît. Vous surveillez Denis Charvet qui compte aider son ami. Écoute-moi. Toi, quand on s'est fait prendre. Le problème, c'est que Denis, il a filé en régie, tu vois. Justement, la Golden Carotte n'est pas tombée cette semaine. Quand on s'est fait prendre la main dans le sac avec sa fille comme complice, c'était sur. 8 minutes avant l'éventuelle Golden Carotte, 10 minutes avant, ici, c'est Willy Sagnol qui a 41 ans. Vincent, tu me demandais son âge tout à l'heure, il a 41 ans. Il a 10 ans de plus. BFM TV. Sympa. On va célébrer, enfin, certaines personnes vont célébrer les 30 ans d'une disparition, Vincent, dans un mois. Kikadi, c'est le bébé qui crée la maman. C'est le bébé qui crée la maman. Dolto, ma chère, Françoise Dolto. Excellent. Les 30 ans de sa disparition. Le point Dolto, bravo. Voilà, ça pourrait être que Vincent qui le trouve. Célèbre psychanalyste, Dolto. Vincent, Françoise Dolto. Ouais, parce qu'il a lu, tous ses livres. Qui sera célèbre. Et il s'en est inspiré. Écoute-moi, qui est responsable, Eric, qui a raté ça. Dolto qui est responsable des caprices de Neymar. Voilà, on l'a vu dans le Moscato. Mais non, mais Pierrot, tu rigoles. Mais tu rigoles, Pierrot. Mais c'est ça. Continue. 1-0 pour Mathieu. C'est ça, Pierrot, toi tu rigoles. Oui, je te le ferai le débat, il te l'expliquera. Qui a dit il faut terminer ce match à 4 pattes. Ah, Vaïd. Vaïd, exactement. Voilà. Bien joué, Dimeco. Vaïd, Ali Dodzic. Là, je l'ai, puis ça ne devient pas. Si la lumière s'allume pas. Il parle de Bordeaux, non. Il y a un gros problème. Non, franchement. Tu sais ce qui s'est passé, Eric? Pierre, il a ouvert la bouche, il n'y a rien qui est sorti. Non, mais je l'avais, mais c'est pas sorti. Tu ne prends pas d'Exomil ou des trucs comme ça, Pierrot, non? D'Exomil. Tu ne prends pas d'Exomil. Non, mais Exomil. Il y a un truc qui se passe. Tu as l'œil vitreux. Le vieux berger allemand, tu sais qu'on 13 ou 14 ans, l'œil vitreux sur le. Égalité un partout. La cataracte. Je pense qu'on va avoir un beau match. 6 minutes 30 dans ce qu'il a dit BFM TV, la deuxième du jour, déjà. Déjà ? Ouais. Ah, c'est beau ça. Kikadi, alors énorme cri de gueule. Kikadi, ça m'a fait chier. Le film, je ne l'ai pas fait pour qu'il soit tronçonné comme ça par la publicité. C'est un film que tu dois regarder en 1h30. Muriel Robin ? C'est un film qui te prend à la gorge. Marshall. Non, c'est le patron, c'est lui qui réalise. Régnier. Yves Régnier. Commissaire Moulin. Tu vas trop vite, laisse-nous dérouler. Comment il sait ça, lui ? Mais parce que il a vu son pote Marshall. T'es pote à qui Vrignier, toi? Son pote Marshall, surtout. Ah, enfin, mais oui, c'est des questions spéciales pour qu'il trouve. J'avais oublié. Excusez-moi, il y a un quota. Marshall dans le film. Oui, c'est pas grave. Il y a un quota, je suis désolé. Tout le monde pouvait le trouver parce qu'après, il serait arrivé à Commissaire Moulin. En même temps, il a été trop vite. C'est vrai. Un peu trop vite. 2-1 pour Mathieu, équipe Moscato. Yves Régnier, qui est pas content parce qu'il y a de la pub pendant le téléfilm. C'est bizarre, il découvre qu'il y a de la pub sur TF1. Oui, c'est un peu bizarre. Il râle après. Non mais Yves, c'est qui paye le film, c'est sûr que Yves, c'est un sujet grave, mais faut quand même lui dire à Yves qu'il a fait quand même un film extraordinaire. Bravo, parce que Yves. Marshall, Muriel Robin, Jacqueline Sauvage. Jacqueline Sauvage qui était raide, crois-moi que c'était bien fait, bien réalisé. Qui a dit ce qui nous attend là, c'est un match de niveau Ligue des Champions. C'est Olas Genesio. Genesio. Oh, Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais, qui nous attend dimanche à 21h. Voilà, pour Genesio, c'est encore un match de Ligue des Champions à jouer cette semaine. Tu sais quoi, je pas dormi depuis 30 heures. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'était tellement évident que je pensais qu'il y avait piège et je voulais me retourner vers le hand, tu sais. Parfois, il n'y a pas de piège. 3-1 pour l'équipe Moscato. Je convoque un duel, c'est comme ça, Pierrot. Dorian Dimeco sur du foot allez, pur et dur. Je veux juste, Eric et Pierre, le nom de famille de l'entraîneur en foot de la Lazio. La Lazio, c'est le Inzaghi. Simone Inzaghi. C'est le frère, le petit ou le grand, je sais pas d'ailleurs, de Pippo Inzaghi. C'est le, oui. Voilà, la Lazio, c'est Inzaghi. Ouais, ça, faut le savoir. Hein. Surtout que c'est le groupe de l'OM que Eric a commenté hier. Ah oui, donc j'ai fait exprès pour qu'il y ait les questions pour que Vincent ait la bonne réponse. Ouais, mais Eric a pas dormi. Il y a les questions. Surtout, je n'ai pas fait la Lazio. Pierrot, on ne dit rien, Pierrot, on ne dit rien, nous. 3-2 pour Mathieu et Kim. Nous, c'est les valeurs du rugby. Question auditeur, tiens, j'ai 2 ou 3 questions auditeurs. Mathieu et Stéphane. 4 minutes dans les ce qu'il a dit. Sauté. Attention la Golden, elle peut arriver. Dans quel pays se déroule ce week-end le Grand Prix de Formule 1? Au Japon. Oui, qui a répondu au Japon? Stéphane, il est chaud. Stéphane, il est très chaud. Y'avait nous, Stéphane. C'est le Japon, Suzuka. Donc égalité 3 partout. Non. Deuxième question, auditeur. Test de notoriété du handball. Allez, petit minot. Chez les hommes,
Comment s'appelle le sélectionneur de l'équipe de France de handball? Depuis plusieurs années. Dinard. Oui, Dinard. Qui a dit Dinard? C'est Stéphane qui a dit Dinard. Non, c'est Mathieu. Mathieu, bien joué, Mathieu. Tu l'as dit après, Mathieu. Moi, j'ai entendu Stéphane. Il est fou, lui. Ce mec, il est incroyable. 4-3 pour Mathieu et Moscato. Allez, là, pour une fois, on a des vrais auditeurs. On n'est pas des bulots. Mathieu, c'est bien. Tu t'es bien battu là-dessus. BFM TV. Toi, tu vas te prendre même pas tes seins dans les Ah ouais, toi, je sens que Bessette est en train de se chauffer contre Pierrot. Je me chauffe jamais contre Pierrot. Ouais, mais là, ça fait quand même 2 semaines que. Tu as un peu de compassion dans ton regard. Je me demande ce qui se passe. Un petit peu plus intelligent que tout le monde. Les poètes ne meurent jamais. Mathieu Béry, Mathieu Drucker. Non. Dolto. Belmondo. Macron. Emmanuel Macron. Tu le dis trop tard. Tu le dis trop tard. Oui, Marise. Égalité 4-4. On invalide ce matin. Hommage national. Tu as mené ta contribution. Voilà, il a rendu hommage à Charles Aznavour, ton président de la République. Oui, mon président, bien entendu, en marche, en bombe. 2 minutes 30, égalité. Question auditeur, la troisième et dernière du jour. Aujourd'hui, très dur. Si vous n'aimez pas le foot, c'est très dur. Dans quel club joue Florent Balmont? Ah ben, à Dijon. Ah, c'était une question auditeur. Pour l'adversaire. C'est l'air de fatigue. C'est la fatigue. Tu sais quoi, ça, tu sais quoi, c'est le voyage à Chypre. Tu sais que j'ai failli parce que quand tu as dit question auditeur, il était en train de parler. Ouais, mais question auditeur. Tu sais quoi, tu pourrais là. Tout à l'heure, vous avez dit c'est pour les gars, vous avez insisté, là tu dis rien. J'ai dit question auditeur, je peux pas dire pour les gars. Tu le fais exprès. J'ai dit leur prénom et tout. Eric, sois sage. Allez, on continue. 5-4 pour Mathieu, équipe Moscato. 2 minutes. C'est très serré et en plus, la Golden peut sauver une des deux équipes avant 2 minutes. Allez. Le top 14 peut être très... C'est pour qui, ça? J'ai rien dit. C'est pour qui? C'est pour tout le monde, Eric. C'est pour qui? C'est pour ta tante. Qui a dit le top 14 peut être très frustrant pour un étranger. Rokosoko Rokosoko, l'ailier néo-zélandais du Racing. Oh, gros, allume. Il a lu, il a lu. Allume et fume, gros, regarde. Égalité de nouveau. Gros, regarde, ça les mains, regarde. Arrête, Eric, arrête. 1-30 dans ce qui a dit du jour. Oh là là, mais c'est insupportable. Allume et fume. Égalité. Alors, c'est comme ça, c'est un face-à-face Maryse-Vincent. Oh là là, Maryse. Ah, je vais t'éclater à neuf. Oh là là, tu vas me faire du vélo. Plus de vélo. J'en peux plus. Dans de vélo. Quelle ville se trouve le club de LeBron James? Dans quelle ville? Cleveland. Non, une ville d'or. Cleveland, c'est avant. C'est une ville aux États-Unis très connue. Miami. Non. New York. New York. Boston. Boston, Washington. Non. Orlando. Mais Maryse. C'est facile. Les Spurs de San Antonio. Il y a eu des Jeux Olympiques là-bas. Chicago. Moscou. Vincent répond du Moscou. C'est pas possible, quoi. Je réponds Moscou, quoi. LeBron James joue Lakers. Alors il reste 45 secondes et ça fait un point d'avance pour Stéphane. Los Angeles. Qui a dit? Jouer pour tout le monde. Jouer à deux Flandres, c'est excitant. Jouer à deux Flandres. Ah, je l'ai vu. C'est le petit Kaiser. Kaiser, Benjamin Kaiser. Je l'ai vu, ça. Il s'est fouillé à la Golden. Le talonneur de Clermont. 7-5, il reste 20 secondes. Je te mets aujourd'hui, gros. Un peu de silence. 7-5. Tu t'intéresses à ton sport un peu, Vincent? 15 secondes. Donc il y a deux solutions. Soit c'est la Golden, soit c'est gagné pour Dimeco et Maryse. Je vous annonce officiellement que cette semaine, on ne verra pas la Golden. Bravo Stéphane. 4 entrées, plus une nuit d'hôtel au Futuroscope. Bravo à toi, Stéphane. Le Kikadi avec le Futuroscope de Poitiers et ses 25 expériences incroyables. Au Futuroscope, plongez dans une atmosphère festive et fantastique.